Vous l'avez reconnu, c'est Maïdeleu, on la voit partout en cette rentrée, c'est normal puisque dans quelques jours s'installe la Foire Européenne de Strasbourg. Aujourd'hui, on a eu tous les accès pour vous faire découvrir les coulisses de la préparation de l'événement. C'est parti! On prend tout de suite un peu de hauteur pour bien observer le site. Cette année, les espaces extérieurs s'étendent devant le PMC, dans l'avenue Ehrenschmidt et sur le parvis du parc des expositions. En tout, la foire européenne s'étend sur 93 500 m² et compte plus de 400 exposants, qui comptent beaucoup sur l'événement. Jean-Marc Kopp, spécialiste des terrasses en alu, est en pleine installation. Une personne derrière une entreprise, et c'est ça qui est intéressant. C'est quelqu'un qui est souriant, c'est déjà, on a déjà envie d'y aller, quoi. Ça c'est sûr. Ça fait à peu près une 150, 200 clients à peu près à la foire, et ça nous remplit à peu près 9 mois de travail. C'est pas négligeable, quoi. On se trouve au troisième étage du PMC, et juste après la réunion qui se déroule, juste derrière cette porte, on a rendez-vous avec Arnaud Gagnepin, le directeur de la foire européenne de Strasbourg. Salut Arnaud. Tu vas bien? Très bien. J'imagine que tu enchaînes ce genre de réunion. C'est important que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe sur le site. Ouais, c'est essentiel. Alors, des réunions comme ça, j'en fais plusieurs par jour. Parce que selon les équipes techniques, selon les sous-traitants, les clients, etc. Donc, il faut que l'information soit communiquée le plus largement possible. Tout sera prêt pour vendredi 1er septembre. L'entrée est toujours à 5€ et le billet est valable sur les 10 jours de foire. C'est même gratuit tous les soirs à partir de 18h et à partir de 20h, c'est la fête qui commence dans une partie du site. Quand la foire ferme, il y a encore toutes les festivités ouvertes, c'est-à-dire les restaurants, les bars, scènes musicales, les concerts, le village météore, etc. Et il y a une entrée un peu dans le style des bars cachés, une entrée dérobée. Il va falloir venir la trouver entre l'hôtel Hilton et le nouveau parking silo qu'on va inaugurer d'ailleurs. Bien sûr, les incontournables seront présents, il y aura aussi l'espace gastronomie et le village des délices qui accueilleront les concours culinaires. En tout, c'est plus de 500 animations qui sont prévues sur les 10 jours. Dernière pièce du puzzle d'une bonne foire, l'exposition et le pays mis à l'honneur, suivez le guide. Ce qui va être présenté. Alors, 4 grandes capitales européennes cette année. Athènes qui va nous expliquer l'histoire des Jeux Olympiques. On basculera ensuite à Rome avec des commerçants romains. On ira par la suite à Lisbonne pour terminer à Dublin. On s'arrête ici parce qu'il faut conserver l'effet de surprise. Pour finir, un petit voyage en Polynésie française. Ça vous dit, pour l'instant, l'espace est vide, mais ça ne va pas durer. Dépaysement garanti. Ça va passer par la gastronomie, ça va passer par la danse, ça va passer par la musique, ça va passer par l'art, ça va passer même par le tatouage. Ça passera par une immersion totale au sein de ce pays, de cette culture. On va vraiment partir à l'autre bout de la planète. En tout cas, ça attise vraiment notre curiosité et on a hâte que ça commence. Arnaud, on te dit à vendredi. À vendredi avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Arnaud. On espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Privilégiez bien sûr les parkings relais, le tram, la marche et la bicyclette pour vous rendre sur l'événement de la rentrée.